L'inspiration, je ne sais pas d'où elle vient. Elle vient tout simplement en travaillant. On apprend toujours quand on travaille. On cherche toujours la perfection. Et la perfection, elle se trouve pas dans une seule direction. Et finalement, on doit soi-même trouver le chemin à prendre. Je crois que je suis à ce moment-ci dans la phase la plus sculpturale que j'ai vécue jusqu'ici. Je ne sais pas. Mais j'en ai l'impression parce que je trouve de plus en plus de difficultés à trouver l'essentiel. C'est donc une visite d'atelier qu'on fait. Je suis né dans une famille, mon père était sculpteur, et je suis allé à Bruxelles sur le conseil de mon père, qui a fait ses études, lui aussi, à l'école des Beaux-Arts de Bruxelles, l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Cet enseignement était très, très classique. J'ai tout de même demandé à mon père pour aller à l'École nationale supérieure à Paris. On doit soi-même trouver le chemin à prendre. Et c'est ce chemin à prendre, je l'ai trouvé à Paris. Alors, par après, pour fignoler, n'est-ce pas, on a les râpes. Et enfin, on continue et on mouille. Quand on mouille la pierre, elle devient pas plus molle, mais elle se taille mieux. Ça, c'est une sculpture que j'ai élaborée, moi, étant rentré de déportation. Et c'est une vision que j'ai rapportée du camp de concentration des Hintzert. C'était un détenu, ou les détenus, qui étaient en pénitence et qui devaient rester dans la cour pendant 3 jours et 3 nuits. Sans manger, sans rien du tout. Ils n'attrapaient que des coups. Et finalement, c'était des silhouettes qui se détachaient sur l'horizon. Et on se demandait comment ils avaient l'énergie de rester debout. Quand on revenait de déportation, on était plutôt à plat de couture, dans tous les sens. Et ma femme s'offrait à moi pour modèle, entre autres pour faire le buste. Et alors j'ai fait ce buste. Je sors là du figuratif, c'est à peu près une des dernières choses figuratives que j'ai faites. Dans les années 50, j'ai donc vraiment changé de cap dans mon travail. Mais ce qui m'a donné vraiment un coup de renouveau, c'est lors d'un voyage de plaisir que nous faisions en Bretagne.
ma famille, ma femme et moi, et les enfants. Alors, je découvrais là, sur la plage, deux énormes galets qui étaient superposés l'un sur l'autre. Et j'étais vraiment saisi par la force de ces galets qui étaient là dans la nature. Et saisi parce que, je disais à ma femme, regarde ces galets. Elle se présente à la nature de tous les côtés. Et c'est ça le secret. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai tout de suite commencé à travailler un galet. Il y a encore une autre chose qui s'est passée. En 62, j'étais la première fois invité à Carrare, à exposer à la Biennale de Carrare. Et alors, j'ai découvert là, dans les carrières, ces merveilleux blocs de marbre. Ce qui m'intéressait à ces blocs de marbre. Je quittais, en somme, la direction un peu du galet, dans ce sens que je n'appréciais plus tellement les rondeurs, parce que ces blocs de marbre étaient plutôt des pièces de marbre un peu cassées, il y avait des cassures. Hein. Et bien, ça me donnait de nouvelles idées pour développer une sculpture. Et alors, petit à petit, j'arrivais à une expression architecturale, mais vraiment architecturale. Hop là, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Automatiquement, le prochain travail, j'ai pris un morceau de marbre qui présentait d'autres faces, beaucoup plus de face et de forme, et je commençais à travailler celui-là et j'étais en plein de nouveau dans les formes organiques. Je n'ai plus quitté la sculpture, je ne peux pas dire organique, mais qui présente des formes plus rondes, plus enfin, qui correspondent certainement plus à mon tempérament. De temps en temps, j'ai des critiques qui viennent, les uns sont pour, les autres contre, mais moi, je continue ma voie de chemin. Je ne me laisse pas déranger parce que j'ai encore tant à faire, et ça me fait toujours énormément plaisir de faire sortir la sculpture que moi j'aime.